Les blindés espagnols affluent sur les plages de Ceuta, avec l'objectif d'endiguer le flux de migrants. En 24 heures, plus de 6000 Marocains sont entrés à la nage dans cette enclave espagnole, située à la frontière avec le Maroc. Des hommes, des femmes et des enfants, 1500 mineurs selon le ministère de l'Intérieur espagnol. L'arrivée des militaires en soutien de la police était une promesse du Premier ministre Pedro Sanchez. Ma priorité en ce moment est de rétablir la normalité à Ceuta. Ces citoyens doivent savoir qu'ils ont le soutien absolu du gouvernement espagnol et la plus grande fermeté pour assurer leur sécurité et défendre leur intégrité en tant que territoire espagnol face à tout défi. Ceuta est connu entre autres pour être ce petit bout d'Europe en terre africaine, prisé par les migrants en quête d'une vie meilleure. Un rêve souvent empêché par cette grille haute de 6 mètres, infranchissable sur terre. Les plus déterminés viennent à la nage, comme ce groupe de 130 personnes il y a 3 semaines. Un périple dangereux et très souvent vain. Madrid et Rabat ont convenu que l'Espagne devait renvoyer les citoyens marocains dans leur pays d'origine. Un afflux de migrants qui survient en pleine tension diplomatique entre Rabat et Madrid à propos du conflit au Sahara occidental.